Au cours d'expressions scéniques avec Cécile Chaduteau, lors d'un tête-à-tête, Elena, qui répétait heurte de Christina Aguilera, a enfin lâché ses émotions, elle a craqué et est tombée dans les bras de sa professeure, en larmes elle aussi. Depuis plus de 3 semaines, les 13 élèves de la Star Academy se donnent corps et âme pour convaincre les professeurs de leur mérite dans cette aventure télévisuelle. Chaque semaine, près de 4 millions de téléspectateurs captivés suivent avec assiduité les rebondissements se déroulant au château de Damary-les-Lys. Après le départ de Louis dès la première semaine, si est Lola qui a dû faire ses adieux à la compétition la semaine dernière. Pour les nominations de cette semaine, une nouvelle dynamique s'est instaurée, les candidats étant en duo pour défendre leur place. Elena va défendre sa place sur la chanson Heurte de Christina Aguilera lors des évaluations, Michael Goldman s'est montré particulièrement contrarié par la prestation d'Elena. Ces mots ont été lourds de sens, je ne peux pas leur donner une excellente note, car pour moi, si est Marie Maude qui a porté le duo du début à la fin. Elena, honnêtement, j'ai un problème avec Elena. Il faudra qu'on en discute, car pour moi, elle a une voix exceptionnelle, mais je commence à en avoir marre de l'entendre chanter faux. Ces propos laissaient présager une possible nomination pour la jeune chanteuse et son amie Marie Maude. La sentence est tombée le mercredi 22 novembre, Julien Clara et Elena Marie Maude ont été nominés, signifiant le départ imminent d'un des candidats ce samedi 25 novembre. Le prime à venir promet des affrontements musclés, avec des duels secrets entre les deux binômes. Chacun devra interpréter une chanson à voix et une chanson d'ambiance. Elena, quant à elle, revisitera le tube mondial Heurte de Christina Aguilera. Elena fend l'armure et fond en larmes dans les bras de Cécile Chaduteau le 24 novembre, au cours d'un courant tête-à-tête avec Cécile Chaduteau, la candidate belge de la Star Academy a tenté de libérer ses émotions. Trop préoccupée par la justesse de sa voix, Elena s'est d'abord fait reprendre par la professeure d'expression scénique. Pourquoi tu lâches? Le début est magnifique et d'un coup tu te fais pas confiance. Arrête de penser aux notes, tu chantes, t'as une voix magnifique, il faut que tu travailles ton émotion, fais-toi confiance, lui a conseillé Cécile Chaduteau. Submergée par l'émotion, Elena a alors craqué, je vais pleurer Cécile, avant de fondre en larmes. T'as envie de rester? On croit en toi, tu peux rester, tu vas rester à rassurer l'enseignante. Elena a alors répété une nouvelle fois sa chanson, mais elle s'est interrompue. Non. Si ton mental suit pas, ta note suivra pas, il faut que tu y crois, tu as une voix sublime, et arrête de dire je chante faux si est-il pas le problème, a sermonné Cécile Chaduteau. Pour sa dernière répétition, Elena a tout donné et fendu la carapace. Cécile, l'a ainsi prise dans ses bras et Elena s'est effondrée en larmes. Tu vas me faire pleurer, gêne balance tout, si est-il magnifique, ça y est ça vibre de partout, a commenté la professeure, les larmes aux yeux. Un moment très fort qu'on verra sans doute dans la quotidienne de ce samedi. Avant un prime qui promet le grand frisson.